Allô, Henri? Ici André. Ouais. J'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours. D'accord. Allez droit. Monsieur André Citroën et avait Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent quai de Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, déculbuteurs, carburateurs inversés. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques. Voici les tractions avant, et au salon c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle. Allô, la tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô, Gustave, ici André. Ouais, j'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie. À 3 heures. D'accord, je monterai chez toi. Monsieur André Citroën, il illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N, tout Paris la nuit, on prend plein les prunelles. La publicité, c'est le meilleur des hameçons pour pêcher la clientèle. Chouette, il y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent quai de Javel. Les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et avant, qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Peau. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.